Bonjour. Merci à tous les membres de la presse d'être venus aujourd'hui. Nous savons que vous êtes très occupés, préoccupés par la situation financière d'Haïti en ce moment. Premièrement, cette situation à laquelle Haïti est confrontée n'est ni créée, ni organisée, ni contrôlée par le gouvernement américain. Et c'est ça l'essentiel. Il s'agit de deux côtés. Le côté GAFIC et le côté de-risking. On commence par le côté GAFIC. D'abord, c'est une organisation régionale dans laquelle l'État américain n'est pas membre. Par contre, Haïti l'est. Cependant, au niveau international, le gouvernement américain supporte sans réserve la mission du GAFI, le groupe d'action financière. Le travail laborieux du GAFI rendre le monde et Haïti plus sûr et plus sécurisé. Pour transitionner au côté de-risking, d'abord il s'agit d'une affaire internationale entre les banques privées, que ce soit les banques haïtiennes, les banques américaines ou celles d'Europe ou l'Afrique. En fait, toutes les régions du monde sont affectées par ce phénomène. C'est une décision d'affaires entre les banques internationales et les banques régionales ou nationales. À vrai dire, Haïti n'est pas aussi gravement affecté par cette situation comparé à plusieurs autres pays de la région. Deuxièmement, on passe au rôle du gouvernement haïtien. Nous sommes bien conscients des risques dont fait face Haïti, mais la solution est évidente et simple. L'État haïtien doit mettre en place un système de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Un système conforme aux normes internationales. Les Haïtiens, honnêtes et grands travailleurs qu'ils sont, ne veulent pas que leur pays soit sanctionné à cause de l'inaction de l'État. Nous sommes encouragés par les efforts du gouvernement et le secteur privé ces dernières semaines et même ces derniers jours, pendant lesquels ces acteurs se sont engagés à résoudre la situation. Ils ont encore le temps d'éviter les conséquences de leur inaction pendant les deux années précédentes, telles qu'elles sont.